Bonjour, Claudine Toublan, directrice de l'école de musique Mélodie d'Auray d'Anjou. La commune nouvelle Auray d'Anjou regroupe 9 communes. Tous les cours se déroulent sur la commune de Drin. L'école de musique compte 13 professeurs. Les cours sont dispensés tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. L'école de musique est ouverte aux enfants à partir de 5 ans pour le jardin musical et l'éveil musical. Nous conseillons l'apprentissage instrumental à partir de 8 ans. Pour les jeunes élèves, nous proposons le parcours découverte. Chaque enfant peut choisir 3 instruments dans l'année pour mieux choisir après l'instrument qui lui plaira d'apprendre. Nous avons mis en place un système de location d'instruments pour les élèves qui débutent dans l'apprentissage instrumental. Les cours d'instruments sont proposés soit en solo, soit en duo, sur une durée de 30 minutes. À cette pratique instrumentale s'ajoute un temps d'orchestre. Pour les 3 premières années, ils font partie de la pratique collective. Ensuite, les élèves peuvent intégrer un ensemble, tel l'ensemble de musique de film, atelier rock, l'ensemble de musique traditionnelle. Depuis la rentrée de septembre, le cours de formation musicale est intégré au cours de pratique collective. Ce n'est plus une heure de solfège, de théorie pure. Les enfants apprennent toutes les notions solfégiques, la lecture de notes, les rythmes, dans cet orchestre et en pratiquant avec leur instrument. Nous organisons des auditions et un concert annuel pour présenter nos ensembles et que chaque élève puisse monter sur scène. En plus de ce temps d'apprentissage, nous mettons en place des actions pour développer la culture musicale de nos élèves. Par exemple, nous proposons des stages musicaux ouverts à tous et qui se déroulent dans l'enceinte de l'école. Des stages de djembé, de jazz. Nous organisons également des sorties à l'opéra avec Angers Nantes Opéra. Il y a des rencontres avec des musiciens professionnels. Nous avons un partenariat avec la maison de retraite. Chaque mois, un ensemble ou quelques élèves vont jouer pour les résidents.